termes de planification, l'incertitude est passée d'un statut de variable d'ajustement à celui de prémisse stratégique. Aujourd'hui, les équipes sont préparées à des scénarios extrêmes qui ont maintenant des chances d'arriver. Ce qui génère de très larges champs des possibles. Et ensuite, nous cherchons comment nous positionner. Par exemple, l'arrêt des ventes d'avions était inimaginable il y a 8 mois. Et pourtant. Un signal faible est une information qui annonce un changement. L'analyse de cette logique d'anticipation va impacter la stratégie d'entreprise. Car gérer l'incertitude est un investissement. Comment les industriels peuvent-ils investir au mieux ?